Bonjour encore, bienvenue sur MTGQ. Ce soir, on continue Bloc Tempest. On continue et on finit le Bloc Tempest. Troisième set, un petit Exodus. Ça commence fort, il y a une laine en Exodus. Oui, mais... Je l'ai placé au début du carton. Bon. City of Traitor. C'est... Si je joue une autre laine, je la sacrifie. J'ai deux colorless à mon mana pool en la tapant. Rentre pas en jeu tapé, fais rien. Alors que c'est fort. Il y en a qui vont me dire, ouais, non, mais là, tu peux pas jouer d'autres laines. Non, mais attends un peu, là. Mets deux incolores dans ton mana pool, rentre une autre laine, sacrifie-la, va, arrange-toi pour jouer avec Crucible. Ah, go, avant de venir, deux mana. Ah, c'est... Non, c'est une laine de fou. Bon, on passe au suivant. D'ailleurs, je tiens à noter, petite erreur de ma part, Sliver Queen, je disais, il y a une carte qui va la faire rentrer dans le prochain... Non, je me suis trompé, c'est une carte qui peut aller la chercher pour la mettre dans sa main, pas la rentrer sur le jeu. Mais on pouvait déjà la rentrer dans le bloc précédent qui était Mirage, et même dans le bloc en cours, on pouvait rentrer une créature en jeu. Donc, c'est erreur de ma part, c'est aller la chercher et pas aller la rentrer en jeu. Mais il y a quand même d'autres cadeaux pour les Slivers. Oh oui, il y a un autre cadeau pour les Slivers en Exodus. On n'a pas peur. Donc, en blanc... Petit dragon. Ouais, mais pas juste ça, là. C'est moi, en blanc, là, il faut y aller, là. Et ça nous fait... Ah là, franchement, là. Là. Reconnaissant. Là. Là, j'invite tous les joueurs de Magic, français, anglais, espagnol, italien, chinois, japonais, australien. Australien parle anglais, là, mais c'est aller lire les ratas correctement. Correct. C'est un mélange de Maze of It et de Fog et de Counterspell sur un effet qui serait sur une de tes... Ah, ça a on pas de a bon un ami sens. Dans notre groupe, dans tous ces decks blancs, je vous reconnaissance. C'est-tu dans une commune? Dans une commune, ce chiffre, c'est 10, là. Mais quand même, c'est dans une commune. Oh! Et ça prend vraiment fort pour... C'est tannant. Là, OK, 0, c'est un enchantement. Sort à combien? 1. Hein, c'est pas cher, là. 0, remove target attacking creature you control from combat and untap. Et c'est l'errata que ça prend. C'est le changement de la phase de combat de Magic qui fait que ça, c'est devenu... Hein? Pourquoi je ferais ça? Allons, mes créatures sont jamais mortes. C'est ça. À cause de la petite twist de ne reçois pas de dommages, ne fais pas de dommages. Ah là 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 là. Considéré comme bloqué quand même, ça la détape, donc au moment de l'attaque et autour de l'adversaire, au moment de la défense. Non, ça, j'aime pas le blanc. Ça paraît-tu? Je vais m'en faire un deck en blanc à un moment donné juste pour la mettre dedans. Sinon, là, en blanc, là, pas un petit set, hein? Fait qu'on va tourner vite les pages, on va faire le tour assez rapidement. Mais quand même, en ça, là, allez la lire, apprenez-la, regardez dans quoi que c'est joué. Puis mettez un Desenchant dans tous vos decks. Cross and Grip Desenchant. Ouais, Cross and Grip, j'aime mieux. Surtout, elle peut pas être contrée. Là, on va revenir sur des grosses cartes un petit peu plus, là, qui sont... On sait qu'il valent cher juste à les lire à l'origine. Ici. Ertaï. Ici, on a Minds Over Matter. Qu'est-ce qu'on avait dans le bleu, sinon, dans le cool, mais dans le pas cher? Pas de temps. Moi, j'ai pas joué beaucoup là, avec ces cartes-là. Moi, j'ai plus joué Mirage, mais j'ai Tempest, j'ai joué Sliver, puis j'ai joué Shadow. Mais là, rendu en Exodus, j'ai moins de mémoire un petit peu pour... Qu'est-ce qu'on avait? Des Shadows, oui. Mais pas. Juste vérifier là, dans l'ordre alphabétique. Là. Non, c'est pas dans ce set-là. Regarde ici, toi. Non, c'est Mind Over Matter, Ertai. Ouais. Ensuite, en noir, on a. Mon petit Danticot Pro. Mon petit Shadow qui tue des Shadows. Ouais, ça fait le ménage. Le... Ça, attention. Hatred. Attention. Peut-être une winning condition.
dans un petit deck blanc-noir de Knight, là, surtout en 30 ou 40 points de vie. Lifelink. Vampire, Lifelink. Sanguine, tu sais, les enchantements que quand tu fais, quand on perd des points de dommage, tu gagnes en points de vie, puis quand tu gagnes des points de vie, l'autre les perd en points de dommage. Ça peut aller vite avec Atreus. C'est parce que c'est une winning condition qui est comme, et on va dire, est sournoise, ça sort de nulle part. Comment ça, tu fais plus 25 à ta créature? Lifelink. Trample. C'est ça. Double strike, ouch! C'est un peu comme Channel. Channel, tu faisais de la mano en burning points de vie. Mais Channel sort à 2. Channel, c'est 2 plus 6. 2 plus 3, non, ok, 2 plus 3, 5. C'est 5 plus 6. Devine. Non, 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 c'est... Mais le noir, manque pas de mana, d'habitude, mais... T'as 5 mana quand t'es rendu à déclarer une phase d'attaque. T'es bien installé pour dire que tu vas tuer 2 adversaires en commander, par exemple, avec une attaque. Puis tu vas avoir au fin de tour 200 points de vie, puis tu as plein de façons de gagner la partie avec le blanc. Tu joues à Commander, tout le monde se demande pourquoi tu as une créature Shadow 1-1 sur la table. Tu fais Hatred, tu as donné Lifelink avec. Avec Spirit Link, mettons. Non, tout le monde sont là. Ils te laissent aller. Oui, 1-1-1-1. Boum. Non, mais vraiment pour. Sinon, on a le. Ring Nightmare. Ici, qui demeure, ben, c'est. Là. Sacrifier une créature, on la retourne dans la main du propriétaire, puis on met une créature du graveyard en jeu. Fait que, encore une fois, ça tourne autour Reanimate dans le Tempest. Ici, on a la même mécanique. Sinon, dans le rouge, là, moi, dans le rouge, j'ai vraiment rien de vraiment extraordinaire, puis j'ai pas assez de mémoire pour savoir si j'ai vraiment joué qu'il y avait pas, avec du Exodus en rouge. Je vais juste regarder mes tentatives de burn infructueuses. Gobelin, assassin, ici, non. Pas à première vue. Price of Progress. Oui, d'accord pour le... Oui. C'est surtout quand tu joues Commander. Ça a fait partie de mes tentatives infructueuses de burn. Mais encore là, j'avais tout le temps les mêmes adversaires, puis le burn passait pas. Sinon, on a. C'est quoi lui ici là? C'est dans les S. Là. Qu'est-ce que ça fait ça? Qu'est-ce que ça fait cet enchantement là? Qu'est-ce qu'il fait cet enchantement là? On choisit, on discarte une land card. Ça fait 2 dommages. Ah, ben coudonc. L'Enfall, il va-tu avoir du rouge en ton Enfall? Ouais, parfait. Le vert. Oh oui, là, par exemple. Mais là, le vert, ici, là, c'est on peut vraiment le décrire. Il me manque, j'ai pas tous les sets de Magic, on le sait, là, mais ici, là, ça, j'avais un deck avec ça. Ouais, même Mirai, 2-3 pour 3, First Strike, Forest Walk. Ouais, mais elle est vigilante. Ah, vigilance en plus. En plus. Mais. Out of Druid. Out of Druid, ça nous prend. Gas Blessing. Pour pas se decker. Et ça nous prend l'avantage inverse des créatures pour que ça trigue à ton upkeep. Par contre. L'avantage des créatures en Exodus, si on recule, Exodus, Stronghold, Tempest, Weatherlight, Vision, Mirage, après ça, on a The Dark, Legend, Antiquity, des sets qu'on n'a pas pu faire parce qu'on les a pas, puis l'original, 4e édition, 4e, on a-tu fait 4e? Hein? On n'a pas fait 4e encore? Oui, 4e Revise, Unlimited, non? L'avantage des créatures, pour que ça trigue, il faut que ça trigue, comme on dit, pas tout de suite. Ça, là, rappelez-vous de ça. Out of Druid, t'as moins de créatures que l'adversaire à ton upkeep, tu ponges le top de ta librairie, tu la mets dans ton graveyard jusqu'à temps que tu révèles une créature. Cette dite créature tombe en jeu de ton bord et tu commences ton tour. Pis si t'as Miraris Gale, ben tu l'as placé avant, parce que t'as replacé les 3 premières cartes comme tu voulais. Dans ce bloc-là, oui. Mais ça a tellement fait boom plus tard. On va y revenir quand on va couvrir le plus tard, mais ouch! C'est devenu même de la portée du Vintage puis du Legacy. Là. Fait que, ben d'abord, c'est juste... Parce que tu es un Commander légal, là? De toute façon, t'en as rien qu'une copie puis ton deck de Commander, tu vas pas te le decker dans la face.
Vintage et Legacy. Ensuite, ici, c'est ça, là, je me suis trompé. Là, c'est, tu peux aller chercher sur le genre de vitesse, discarte une carte, va chercher une carte dans ta librairie, tu la mets dans ta main, pas en jeu. C'est ça, là, le mettre en jeu. Je parlais de la Silver Queen dans les sets précédents du Bloc Tempest, c'était pas ça. C'est jamais ça en tête, puis j'avais oublié que c'était dans la main. Mais sinon, par contre, on a le... Mana, où es-tu, Mana? Oh, ben, j'allais. Oh, on a passé tout droit ici. Ah, ben, regarde, tant qu'on est là, ici, ça, c'était mon... On l'a fait dans mon tech deck. Le 1-2, c'est 2-3 pour 1, parce que c'est les non-basic land, plus 1, plus 2. Aïe, aïe. Tout le monde joue des non-basic land. Mana Band, oui. Et là, ici, Mana Band, on voulait dans... Je voulais le décrire, parce que quand que je discarte, je peux choisir de mettre toutes les laines de ma main into play. Puis si je le fais, je discarte le reste de ma main. Fait que le vert puis le ramp, ça va vraiment ensemble. C'est, si c'est pas un en multiplayer, c'est un en duel. Ouais. Puis on dit ici là, je pense que je serais bien à l'aise de me faire un deck dans le bloc Tempest en vert et noir. Du ramp, du graveyard, ouais. Du revient. Volrat. Pis... Ouais. Mais là, l'ami des Slivers, là. Code of Iron. Attention, là, ici, là. Le blason. C'était l'ami des gobelins, c'était l'ami des elfes, ouais, c'était ouais, l'ami, ici. Mais la saveur, c'était des Slivers. Dans ce temps-là, oui. C'est ça. Sauf que. Qu'est-ce que ça fait? Chaque créature va gagner +1/+1 pour toutes les créatures qui partagent le même type avec elle. Donc, si j'ai 3 Slivers 1-1, ils deviennent toutes 4-4. Parce que j'ai 3 Slivers en jeu. Non, c'est tout de suite un peu. Oui. Les autres. Each creature for each other creature. Ils sont toutes 3-3. Mais ma quatrième, ils sont toutes 4-4. Puis ça, c'est. S'ils sont 1-1. Puis... Là, oui. D'ailleurs, il est dans mon deck de Commander Slayer. Le Thaïs Portal, à l'époque, qui était un peu. Ça peut être encore cute dans certains decks aujourd'hui. Là. Puis, à l'inverse des médaillons de Tempest, on a la sphère de résistance qui fait l'inverse. Toutes les spells coûtent 1 de plus à jouer. Mais là, ça, il y a d'autres combos avec ça. On l'a déjà vu. Ça. On l'a déjà vu. S'il y a d'autres combos avec ça à faire pour que ça soit. Dans le fond, c'est du blocage. C'est du blocage de jouer là-dedans. Ça, toi, tu vas pouvoir jouer en faisant ton combo pour jouer, mais le reste, là, il va probablement bien avoir de la misère à jouer quoi que ce soit. Fait que ça couvre le bloc Tempest. Fait que le bloc Tempest, là, on a parlé de 400, 440, 450 US moyen marché pour 14-4 dans Tempest. On a parlé de un peu plus pour les 9 premières de Stronghold. Et là, on est à, rapidement comme ça, on va être à... Il a deux. Ici, on était à 350. Ici, on était à 400. 30. 40. On va dire 405. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. À toujours. Ouais. 450 US moyen pour les 10 premières cartes du set. Fait que le bloc Tempest, là, on dit, on a l'hiver est commencé au Québec, là. Il fait frais, ton gel. Mois de novembre, ça fait longtemps que ça n'a pas fait ça. Attachez votre truc avec la broche. Le bloc Tempest, un, il y a une valeur marchande incroyable. Deux, les dessins, les cartes, les artefacts sont encore bruns. C'est beau. C'est vieux, 97-98, on ne l'a pas mentionné. Exodus, ben là, toujours à 98 parce qu'ils n'ont pas passé un an entre deux blocs, deux sets du même bloc. Petit bloc, mais quand même. Là. Alors, il y a beaucoup de value. Il y a de la value là-dedans, là. Puis quand on dit moyen US, c'est qu'on les cartes aujourd'hui qui se retrouvent dans ces éditions-là vont souvent être dans le played ou light played. Et là, ici, c'est le fun parce qu'on a la chance de parcourir les cartes, mais dans des états pas mal plus. Regardez, là. On est pas mal plus dans le... Regardez les coins, là.
est plus proche du Near Mint. Bon, c'est, j'y touche avec mes doigts, là. Bon, OK, on va pas... Le scrap est fini. Ouais, fini, c'est ça. Mais là, c'est ça. Et moi, je suis pas un grader, puis j'ai pas la prétention de pouvoir les grader, mais si on regarde la carte, là, allez, regardez les coins, là, tu sais, il y a pas de... C'est ça. Fait que c'est le fun. Mais ça nous rappelle des beaux souvenirs, des beaux histoires de Magic, puis on va continuer. Fait que là, on vous laisse deviner quel bloc suit le bloc Tempest. On vous le dira pas. Oui, on s'en va pour le prochain bloc. Par exemple. On s'en va pour le prochain bloc, certain. Le prochain bloc, là, on en a déjà parlé, par exemple. Oh, il est gros. Ah, il est gros aussi, là. Si le bloc Tempest, il est gros, là, ben l'autre, là... Il est encore plus là, gros. C'est la blatuque, les mitaines, puis le cache-cou avec la broche. Hey, okay. Merci d'avoir été là. Ciao. Bye-bye.